Bon, coucou tout le monde. Oui, mais bon, de toute façon, c'était prévu qu'on allait marcher, pas que tu joues là. Oh, là, en gros, je suis à côté de la maison, mais le pré là où je le fais courir, il est fermé, on n'a plus accès. Est-ce qu'ils sont en train de faire des plantations comme là? Alors là, on joue sur la route. Tu arrêtes sur la route parce que là, j'ai pas trop choix, un peu. Parce que là, après, je vais aller le faire marcher. Je croyais que j'avais pas son doudou dans son jouet dans la voiture, mais en fait, si. Je te le balance encore une fois et après, on y va. On va aller marcher. Ok? Dan, on va aller marcher, mon bébé. Dan. Non, ça maintenant on va le poser et on va aller marcher. Et oui, parce que le pré, voilà, il est fermé. Dan. Attends, maman, on prend ça. Non. Et où? Ah, attendez. Non, déjà le jouet, non. Que t'as mal déjà au cucu, alors c'est bon. Là, comme ce week-end, on n'a pas arrêté de marcher et tout, et qu'il faisait froid. Donc, dès qu'on touchait à peine, c'est qu'on mettait la main sur ses fesses, il commençait déjà à couiner. Alors, je ne veux pas trop le faire jouer non plus. Voilà, on va marcher dans le chemin à côté de la maison, tranquille. Comme ça, c'est rare. Et après, on va rentrer à la maison et étendre le linge parce que j'ai mis une machine en route. Voilà. On n'a pas le choix. Là, ce matin, je suis allée travailler. Demain, on y retourne. Là, jusqu'à 1h30. Que là, en plus, ma fille à la piscine, que c'est bien bon. On ne prévient pas. Les parents qui a piscine ou quoi que ce soit, c'est comme d'habitude, c'est d'autres mamans qui vous préviennent. Comme quoi, il y a piscine. J'ai fait, c'est bien beau parce que moi j'avais rangé tous ces maillots, tout. J'avais tout mis dans des sacs. Ben, recherche tout. J'avais que ça à faire. À tout débarrasser et tout. C'est super. Et là, le maître me fait « Oui, oui, il y a piscine toute la semaine. » J'ai fait « Vous rigolez, là ?» J'ai fait « J'ai même pas été au courant, ni quoi que ce soit. » Comme ma fille, si vous voulez. Le linge, le vendredi, je récupère à 1h30. Ils mettent les mots le vendredi après-midi dans les cartables. Ça fait que moi, je suis pas au courant. Certes, ils ont un site qui marche une fois sur deux. Je peux y aller une fois sur deux sur ce punaise de site. Hein, et que sur ce site-là, le seul truc qu'il y a, c'est des recettes qu'ils ont fait à l'école et quelques photos de certaines sorties qu'ils ont fait. Voilà. Mais bon. Là, ils y vont toute la semaine. J'ai fait, mais il y a un petit gros souci pour demain. Bon, ma fille, elle a rendez-vous à 4h30 à l'orthophoniste. Et qu'ils y vont à partir de 2h30. En gros, ils y vont juste pour 1h. Ils partent à 2h30 pour être à 3h dans l'eau pour ressortir à 4h. Pour 1h. Mais bon, c'est pas grave. Alors à 4h15, je vais aller chercher la piscine pour qu'elle puisse être à son rendez-vous. À 4h30. Oh, attendez. Désolée, il y avait un marcheur qui arrivait, il y avait un chien. Oh, je préférais retenir quoi. Ouais. Alors demain, ouais, il faut que j'aille chercher ma fille à 4h15 à la piscine pour qu'elle ait rendez-vous à 4h30, qu'elle soit à l'heure. Jeudi, elle peut y aller, il n'y a aucun problème, mais vendredi, elle n'y va pas. Parce que je récupère 1h30 pour ses rendez-vous. T'as la fontaine juste à côté, mais tu préfères boire la flaque. Mais t'es pas honnête, mon fils. Attention, mon bébé. La tienne. Ah non, mais bon, ça m'énerve que
ça soit des parents, ça fait 2 ans que c'est comme ça, c'est les parents qui vous disent ce qu'il y a et qu'on ne vous tient pas au courant. Mais bon, à force, on a l'habitude. Mais c'est chiant. Ah, bon. Hein, là, on va aller jusqu'à la petite ferme qui est embasonnée. Après, on va faire demi-tour. On va rentrer à la maison. Ce soir, on reviendra avec gros cucu d'amour. Et voilà. Et mon fils. Elle est trop belle, cette ferme. Si je pouvais, je vous jure, je la prendrais. Je l'achèterais. Je la rénoverais. Parce que là, il y a de quoi faire. Ouais, 2 petites maisons sympas. Et tout. Et bon. Mais bon, alors on verra. Fouh, déjà, à partir du mois prochain, je commence déjà à payer, à rembourser mon crédit. Mais bon. Pourquoi j'en étais sûre de celle-là? Hein? Ouais. Ouais, pourquoi j'en étais sûre de celle-là? Monsieur qui est dans la maison. Ah, je vous jure, elle est... Wow. Ah ouais. Alors, là, il y a la porte. Quand on était venu mercredi avec Morrigan, la pierre n'était pas tombée. Et là, elle est tombée, la pierre. On voit à travers. Et bon. Ça, c'est un truc que... Des maisons abandonnées, comme ça, que la mairie ou la commune peut racheter, rebâtir et les louer. Oui, qu'elle soit abandonnée comme ça. Donc là, ouais, la porte, elle est bien cassée, quoi. Et bon. Là, mon gros, il va encore... Il est en train de manger de l'herbe. Après, on descend, on va rentrer à la maison. Ramasser le linge qui était sec, parce que là, j'avais pas des trucs qui étaient encore secs ce matin. Ramasser ce qui est sec. Ah. D'accord, ils ont labouré là. Ouais, voir ce qui est sec. Éteindre ma machine. Et voilà. En plus, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes tranquille. Vous êtes autour de champs. Vous êtes tranquille. Elle est super belle cette maison. Ah, la porte là, elle est toute cassée. Je pense que ça doit être les, avec les tracteurs. Est-ce que je vois qu'ils sont labourés là-bas? C'est bon? Ah mon fils. Bon, on fait demi-tour. Il redescend en bas. Alors on fait demi-tour. Hein? Bon, mais écoutez. Moi je vais faire ce que j'ai à faire. Et je vous dis à plus tard. Bon, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est mardi. Et là en fait, je suis devant la piscine et j'attends que Chopinette est finie. Je suis avec Mister Koba. J'attends juste que qu'elle ait fini la piscine. Là normalement, elle ne va pas tarder. Je la récupère et je l'amène à l'orthophoniste. Alors là, on est parti se promener là-bas un peu plus loin avec Koba, vu qu'on était arrivé en avance. Et que monsieur, depuis changement d'heure, 3h30, c'est sa limite pour comment? Parce qu'après, il est chiant pour manger. Là, il est couché, on attend. Alors bon, je lui ai donné à manger, on est parti se promener, et voilà. Comme ça, ça c'est nickel. Oh, c'est bien ça, mon fils. Faudra que je te rebrosse toi un peu quand même.
Je le brosse tous les jours, mais là, il a de plus en plus de poils qui partent. Ah voilà, alors là, on est dehors, on attend tranquille. Alors aujourd'hui, j'ai encore failli arriver en retard au travail. Au réveil, n'a pas sonné. Quand je me suis moment, je me suis réveillée. J'ai regardé l'heure. 5h15. J'ai fait bon. Il faudrait peut-être temps que je me bouge. Alors, voilà. C'est bien. Non, c'est qu'il y avait personne qui arrivait avec un chien qui n'était pas attaché. Le cobalt, lui, il s'en fout, mais bon, je préfère quand même être sûr. Mais bon, là, je pense qu'ils vont pas tarder à sortir. Et les monstros, je vais la récupérer. Mais ouais, ce matin, quand je me suis regardée, c'était 5h15 sur mon téléphone. Je fais bon, on se lève. A pas bu de café ni rien du tout, à partir directement au travail. Et bon, ça fait deux fois que ça me fait ce coup-là. Mais bon, c'est pas grave. Faut que je sache là, de toute façon, ce soir, je vais dormir de bonne heure. Ah non, c'est ça, je vais pas dormir de bonne heure. C'est que je dois aller voir un ami. Et après, ouais, je vais rentrer, ça va être 8h30 par la maison. Oui, je dépose Morrigan et je m'en vais. Quoi, je dépose Koba et après je m'en vais. Quoi, Morrigan et Koba, quoi. Koba et Morrigan. Et voilà. Pas bouger. Non, c'est qu'il y a un chien qui est pas tenu en laisse. Pas bouger. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Non. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, là c'est juste une partie que j'ai commandée sur Shein les semaines dernières. Oui, il y en a pour la voiture, il y en a pour la maison. C'est pour Noël aussi. Alors, j'ai craqué, j'en ai repris. Les dessous de verre pour Noël. Comme ça, il y en a d'autres aussi qui doivent arriver dans le deuxième colis. Comme ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils sont antidérapants et franchement, ils sont top. Comme ça. Et comme ça. Alors, franchement, ils sont top. Ça fera un peu plus. Oui, j'ai pas choupi. Je la récupère ce soir alors. Elle peut pas m'aider, la mistinguette. Et c'est pas mon fils qui va m'aider. Alors ça, il y en a 3 au total. C'est pour mettre dans la voiture. Pour mettre les bouteilles d'eau. En gros, ça, vous l'accrochez au niveau de la fenêtre. Ou quoi ? Alors, j'en ai... Ah. Ok, bon ben je mettrai un point de colle. Il y en a qui s'est cassé. C'est pas grave. J'en ai 3 au total. Il y en a 2 qui vont passer devant et un qui va être derrière. Oui. Pour mettre les bouteilles d'eau quand c'est vrai qu'on boit beaucoup dans la voiture et après je me retrouve avec plein de bouteilles d'eau. Alors, le deuxième et le troisième je vais le recevoir dans d'autres colis comme ça, ça sera nickel. Oui, c'est pour mettre l'eau, ça ira dans la nouvelle voiture. Et des sacs poubelles qui vont aller dans la nouvelle poubelle. J'ai acheté une grosse poubelle, quoi, une grande poubelle pour aller dans la voiture. Et ça, c'est les sacs qui vont dedans. Mais bon, normalement, c'était marqué qu'il devait y en avoir plusieurs. Peut-être que... Mais bon, ça, comme ça, ça sera nickel. Hein? Oh, ça passe super!
ça passe nickel. Hop là, ça passe nickel. Ça, c'est une bonne chose. Ah, mais bon. Quoi? Oh. Là, je suis en train de faire des frites à midi. Pourquoi midi? Plutôt à 1h30 de l'après-midi. Là. Faire des frites, on va aller tendre. Quoi, il faut que je mette la machine en route parce que j'ai oublié de la mettre parce que j'ai oublié de le maillot de choupinette parce que demain elle a encore piscine. Vendredi elle y va pas parce qu'elle a tous ses rendez-vous. Teto Kratos, teto beau mon fils. Et j'ai récupéré ma tenoun. Oui, parce que je vous explique. Hier matin quand je suis rentrée à 7h, j'ai le volet de ma chambre qui était ouvert. En sachant que ma chambre, elle donne directement sur le parquet. Arrête de me lécher, s'il te plaît. Et je ne l'ouvre pas. Je l'ouvre que l'après-midi ou quand j'arrive le matin, après avoir réveillé Morrigan et tout. Je laisse fermer à 5h, à 5h30 quand je pars. Là, il était à moitié ouvert. J'ai furé. Je suis là, mon amour. Je suis là. Je suis entrée, j'ai vu qu'il y avait Pikachu, Plume, mais pas Athéna. Bon, je promène Koba, j'ai fait, on va essayer de la retrouver, je l'appelle et tout, j'ai fait lui, peut-être il pourra la renifler ou quoi que ce soit. On la trouve pas. Impossible de mettre la main sur Athéna. Bon, j'amène Morgane à l'école, je vais travailler et tout, je reviens du travail, je promène Koba, j'ai fait, peut-être il va la sentir, non. Bon, on va dans le chemin. Je suis là. On va dans le chemin où j'ai d'habitude, où on a l'habitude d'y aller. En revenant, je fais le tour du quartier, je la trouve pas, ni quoi que ce soit. Bon. Hier, bon, je devais chercher Morgane, elle avait ses rendez-vous, moi j'avais des rendez-vous et tout. Je la trouve pas. Le soir, quand j'entre tard, je promène Koba. Et Koba, il va juste derrière la maison, qu'on n'y va jamais. Il me tire pour là-bas, et en fait, il avait senti Athéna. Alors, Athéna, tête de mule que c'est, la chieuse que c'est, elle était sur la butte, devant le pré, quoi, à côté d'un arbre, et elle ne bougeait pas. Elle ne bougeait pas, vous l'avez beau l'appeler, et vous regardez, elle n'avançait pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais laissé la cave ouverte, je suis là. J'avais laissé la cave ouverte en bas qui est directement dessous chez moi. J'ai fait comme ça, elle se mettra dedans. Et demain, j'irai la chercher. Mais je suis là. Hein? Tu crois que je suis pas au courant que t'es là, toi? Non, t'es pas obligé de me déshabiller. Non. Je sais, mon fils, que t'es là. Et ce matin, bon, je pars travailler, je regarde comme ça. Bon. Tu permets que je finisse et après je suis à toi. Hein? Tu permets? S'il te plaît, tu permets? Et ce matin, bon, je vais travailler à 6h et tout. Et quand je reviens à 7h. J'ai fait, bon, je vais quand même aller voir parce que j'avais ouvert la fenêtre de ma cuisine et je vois qu'il y a Pikachu qui était sur le bord de la fenêtre qui faisait que miauler. J'ai fait, bon, on va aller voir. Je fais le grand tour derrière et en fait, je l'entends miauler dans la cave. Je ferme la porte de la cave. On vient de sortir. Et dans la cave, j'ai pu l'attraper et rentrer à la maison. Il n'y a pas l'air d'avoir un problème là, mon fils. Oh. Tu crois qu'il n'y a pas de problème là?
c'est bon. C'est bon. Tu sais que, mon fils, tu fais pas 10 kilos quand même. T'en fais 48. On les sent bien passer des 48 kilos quand t'es sur maman. Maman les sent bien passer des 48. Oui. Oui, maman les sent bien passer. Hein? Les câlins de Koba. Très affectueux, qui font mal, mais très affectueux. Oui, monsieur, il y a des moments comme ça où il veut qu'on soit là que pour lui, personne d'autre. Hein? Surtout quand maman, elle est là. Mais oui, maman, elle te fait plein de câlins et de bisous, ça, tu le sais, ça. Oui. Oui. Oh là là, on gratouille l'oreille. Oh là, et là, elle est là, t'es nonne. Mais depuis ce matin, j'ai Plume qui lui souffle dessus parce qu'elle n'a pas la même hauteur. Et parce qu'elle est un peu noire, qu'il va falloir que je l'attrape là pour la laver. Parce qu'elle a dû passer dessous des voitures et tout. Et alors, bon, il va falloir que je la lave. Et Plume n'est pas contente, elle ne fait que lui souffler dessus depuis ce matin. Koba, quand il l'a vu, il a fait des grosses les chouilles, il était content. Alors voilà. Bon. Tu vas pas t'y mettre toi non plus? Non? On est sorti déjà. On a promené pendant plus de trois quarts d'heure, pendant plus d'une demi-heure. C'est bon? On ressortira tout à l'heure. Guy, toi, pourquoi tu miaules? Ça va, ma feufée. Ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure. Il me regarde la gamelle. Oh! C'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. Bon. Écoutez. Moi, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, vous êtes en vrac. Parce que là, on est dans la salle de bain. C'est bon, je suis révocalée. Bon, aujourd'hui, on est vendredi. Il est 21h et je vous prends que maintenant. Oui, je vous prends que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de courir de partout. Je voulais faire des trucs, je ne les ai même pas fait. Je voulais faire mon coloration, je ne l'ai pas faite. Je la ferai demain soir. Est-ce que demain, je descends à Alès? Ça y est, j'ai récupéré ma nouvelle voiture. C'est une Moutille, j'en sais rien. Elle est plus haute que ma 307. Elle est un peu plus grande que ma 307. C'est une 5 places. Koba, il rentre très bien dans le coffre. Il n'y a qu'un souci. Il peut se mettre debout, coucher, allongé. Il n'y a aucun problème. Ça pour éviter que ça vienne dans ma soupe. Je suis cool ou quoi? Devant mes yeux, je le vois même pas. Voilà, c'est... Ça va bien claquer là. Oh là, j'ai ouf. Cet après-midi, j'ai amené ma fille de partout à ses rendez-vous. Ce matin, j'avais reçu mon crédit sur le compte à l'ouverture de la banque. Je suis allée faire le virement. Il a reçu même pas deux minutes après. Voilà, comme ça, c'était fait. On a programmé le virement aussi pendant plusieurs mois là que je vais lui faire. Cet après-midi, j'ai amené chez la psy, j'ai amené à l'orthophoniste aussi. Et là, en plus, il faut que je prenne rendez-vous avec sa pédiatre pour que Morrigan, comme elle est 10, ils appellent ça, on a fait un dossier en DPH. Elle a droit, normalement, elle aura droit à Oxydis, ça s'appelle. C'est un truc en fait que tout est payé par rapport à sa dyslexie.
Et comme elle doit avoir une psychomotricienne et tout, mais ça sera pris en charge. Et ça, pour faire ce dossier, il faut que j'aille. Il faut que j'aille le faire remplir par sa pédiatre. Comme ça, ça sera fait. Il faut déjà que je prenne rendez-vous. Que je prends rendez-vous à sa pédiatre pour faire ce dossier et qu'après je peux prendre rendez-vous à la psychomotricienne. Et qu'est-ce que ma mère. Et comme ça, ça sera top parce que là je suis. J'en ai un peu ras-le-bol. Mais bon, j'ai pas fini de courir, encore une fois. Ça, c'est pas un souci, je fais que ça, de toute façon. Courir, je fais que ça et courir encore plus. C'est pas un souci. Mais bon, là, dès qu'elle a fini tous ses rendez-vous, on est parti à Marvejol chercher la voiture. J'ai la voiture. Ah, purée, l'autre, il me la garde. J'ai la nouvelle, j'ai les papiers, il faudra juste que je retourne pour refaire les papiers de l'autre voiture qui me garde. Comme quoi elle est vendue et tout. Et voilà. Ça c'est déjà une bonne chose. De fait. Ça c'est. Maintenant j'ai plus ce. Souci de savoir si oui ou non ma voiture va lâcher, j'aurais pu ce stress là de me sentir mal parce que, oui, au bout d'un moment, j'avais un stress phénoménal de pas pouvoir comment dire, de savoir quand est-ce qu'elle allait tomber en panne, si elle avait un souci, est-ce que je vais pouvoir démarrer ou quoi que ce soit. C'est voilà. En plus, avec le bruit qu'elle faisait et tout, là, en plus, elle faisait des nouveaux bruits, c'était plus possible. Alors, là, c'est bon. C'est ok. Et vous dire, ça fait bizarre. Bon, elle est haute, la voiture. Mon Morgane, qu'elle est montée dedans, elle me fait maman. La voiture, elle est trop haute, je suis trop petite. Ben ouais, mais bon. Non, je vais pas faire ça, je vais prendre ma touche, mais que je suis nue, du moins, moi. Faut pas que je mette la crème, je vais prendre ma douche là. Pff, je vous jure, je suis fatiguée. Mais je suis fatiguée. Hein. Là, je suis rentrée chez moi, c'était 18h après avoir déposé mon régal chez Marlène. Je suis rentrée à la maison. J'ai rentré Kobo à la maison. Je suis allée chercher des trucs qu'on avait achetés pour la voiture, des tapis pour mettre que Morgane avait trouvé noir avec les contours bleus. Remettre des trucs qu'on avait de l'ancienne voiture dans la nouvelle. Là, demain, je reçois mon colis Shein, l'autre partie. Il y a des trucs qui vont aller dans la voiture, d'autres, c'est pour les décos de Noël. C'est mon voisin qui me la récupère, qui me récupère tout. Et comme ça, samedi après-midi, quand je serai rentrée, avoir prendre mes cobas, rentrer toutes, ranger toutes mes affaires et tout, faire la vidéo. Ou peut-être je le ferai dimanche matin, je verrai, installer tout, mettre dans la voiture comme il faut. Tous les trucs qu'on a achetés en plus. Voilà. Là, en plus, demain, je descends, on laisse avec. Ça fait bizarre parce que même moi, ça me sent petite à côté. Mais bon. J'adore. Donc, franchement, je kiffe la voiture et.
Mais bon, comme je l'ai dit, je travaille pour. J'ai travaillé, quoi, je travaille toujours. C'est pas que j'ai travaillé, c'est que je travaille toujours. Et que, merde. Il me faut une bonne voiture, correcte, comme il faut. Et voilà, c'est gelé. Au moins, j'aurais plus autant de frais à faire pour une voiture, quoi. Voilà, là on va aller prendre une douche, se coucher, quoi. J'attends que la machine termine, m'étendre, aller se coucher parce que demain je me lève à 5h comme je vais au travail. Et ouais, on n'a pas le choix parce qu'on part à 6h30 demain pour être à 8h30 au maximum, 9h moins le quart. Et pour être rentré à peu près pour 3h à la maison. Alors voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite passer un très bon week-end, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Désolée, ce vlog, oui, il est petit, mais là c'était une semaine à courir de partout. Je vous dis à bientôt. Bisous.